je ramène, je bloque. De moi, depuis que je marche là-bas, on me pointe du doigt, les gens sont en train de rigoler, maman. Ça, c'est quelqu'un qui est venu prendre dans l'eau comme ça. Il a contre mon nom. Non, oui, non, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas bon. Même le voisin qui est là, je suis à côté là, ils sont en train de se moquer de moi. Ça, c'est quelqu'un qui lui aussi est venu prendre maman. Je te dis qu'il y a l'Hongrie, c'est un diable. Ça, c'est un assassin. Quelqu'un que tu as gardé, voilà comment il nous récompense. Ça, c'est un même bandit. Non, c'est pas bon, maman. Je te dis que c'est pas très bien. Tu m'as dit que fais attention. Écoute-moi quand je te parle, maman. Écoute-moi aussi quand je te parle. C'est pas un manque de respect. Je ne vocifère pas. Je suis fâché, maman. C'est moi qui te donne dessus les idées. Faut que tu me comprennes. Moi, j'ai des mamans de mes potes qui ont de l'argent comme toi. Mais est-ce qu'elles ont construit des maisons partout? Moi, c'est moi qui te donne les idées. Depuis le CM2. Maman, faut construire. Aujourd'hui, tu as des maisons partout. C'est pas mes idées. Oh. Non, 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 maman, je suis pas content comme ça. C'est pas bon. Je suis pas content, honnêtement. Je suis pas du tout content. Tu prends la part de Yalandri, pourquoi, maman? Pourquoi tu prends sa part? Hein? Non, 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 je n'aime pas ça. Moi, je dis non, maman, tu connais comment je me fâche, non? Tu ignores que tu as mis tout ça à mon nom. Les maisons, le terrain à mon nom. Si ça me pique, là, maman, moi, je te mets dehors. Je m'en fous de la malédiction. Oui, non, je suis obligé de te parler comme ça. Donc, arrête. Tu as mal agi, reconnais ton erreur, maman. C'est pas bon. Non, 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 non. Maman, moi, je vais te dire déjà bien, je ne suis pas content. Je vais tout faire pour sortir avec sa femme. Ça, je te le dis déjà. Oui, je veux. Maman, je te respecte. Libère-moi la ligne. Pardon. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? On a vu ça où? On te garde, tu viens me chercher à embêter les gens. Tu viens prendre l'argent pour acheter des faux terrains. Ça, c'est le terrain des 100 000. Oui, allô? Oui, bonjour, Sonia. Comment tu vas? C'est Yavitch. Oui, oui, c'est un numéro masqué. Tu vas bien? Oh, oui, ça va un peu. Non, pourquoi? Non, 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 mais pourquoi? Si j'ai tapé mon grand frère, ça c'est des choses d'avant, toi aussi. Pourquoi tu le mets ça sur le tapis? Non, s'il te plaît, Sonia. Entre le bois et l'écorce, on ne met pas les orteils. C'est un truc de famille, on règle ça toujours en famille. Tu es ma belle-sœur, je venais juste aux nouvelles, c'est tout. Oh, non, 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 c'est pas ça. Dis, moi j'ai appris que tu travailles plus, c'est vrai. Oh, mais c'est pas bien ça. Et lui, il dit quoi? Oh, comme d'habitude, c'est pas bien, hein? D'abord, Primo, il t'a épousé, tu es toujours à pied, tandis que lui, il est véhiculé, les voitures ont faites par ma mère. Alors, secondo, tu travailles pas, il se croise les pouces, c'est pas bien. Hein? Moi, je vais t'aider, mais que ça reste entre nous, honnêtement. Essaie de trouver un temps, tu passes à la maison en soirée, vers 19h, 20h. Hein? Voilà. Bon, je suis plus là où tu connais, je suis aux appartements, vers la zone nord, là, chez Sean Brydon. Tu viens, hein, bébé? D'accord, on va discuter un peu, je te remets 450 000 francs pour te maintenir, d'abord en entendant, hein, que je te trouve quelque part où tu pourras au moins exercer. Ouais. D'accord. Mais s'il te plaît, tu peux me rendre un service? Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Oui, essaie de mettre des sandales au lieu de mettre ta ballerine rose de tous les jours, là, s'il te plaît. Hein? Et puis parfume-toi aussi un peu, hein, parce que souvent, tu n'as pas de très bonnes odeurs. D'accord. Allez, bye, libère-moi la ligne.